on a eu la première conférence, je pense que ce serait en septembre, oui, hein, que le BAP était chercheur invité ici à l'Institut d'études appliquées. Alors, mon nom est Lise Andois, je suis directrice de l'Institut d'études appliquées et j'ai deux excellentes coordinatrices, Jennifer Santeneau, coordonnatrice scientifique, et Sylvie Sautereau, qui est responsable de la clinique d'expertise en intelligence artificielle. Là, c'est merveilleux aujourd'hui parce qu'on a la chance. Philippe passait par là, on l'a attrapé. Donc, il vient nous donner cette conférence-là. Donc, Philippe Bess, professeur de mathématiques à l'Université de Toulouse, qui est l'Institut national des sciences appliquées, au département de génie mathématique et modélisation. Il est aussi membre de l'équipe statistique et probabilité de l'Institut de mathématiques de Toulouse. Et Philippe est aussi intervenu dans le cadre d'un chantier en intelligence artificielle et données massives, un chantier qu'on poursuit ici à l'Institut d'études appliquées et qui est dirigé par Pierre-Luc Lézier. Donc, Pierre-Luc a entamé une réflexion sur la protection des données, l'impact de l'IA. Ça fait plus d'un an, hein? Je pense que j'ai fait un concours, là. Un beau groupe suit ces réflexions-là et Philippe était venu à ce moment. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon conférencier, intelligence artificielle et bioéthique. Beaucoup d'interrogations autour de la recherche en éthique et intelligence artificielle. On parle même que ça va changer de paradigme, hein, parce que là, maintenant, on a les données et on va se poser, faire les hypothèses ensuite. Alors, je ne sais pas si c'est ça que tu abordes. Peut-être que je te mets dans l'eau chaude. On peut en parler, mais c'est pas ça, d'accord. Alors, c'est quand même un sujet important. Et je pense que tu es le premier à nous en parler sous cet angle-là. Alors, c'est vraiment intéressant. Alors, bonne conférence. C'est un peu comme pour ceux qui sont nouveaux, ce qu'on fait, bon, le conférencier fait une conférence d'une quarantaine de minutes maximum. Puis après ça, on échange avec la salle par la suite. Voilà. Merci Lise pour l'invitation. Merci pour l'organisation au pied levé. Ce fut un peu rapide. Merci Céline pour le déplacement jusqu'ici. Voilà. Et on veut donc vous parler de choses. En fait, c'est un exposé que je recycle, plutôt que je chauffe pour l'École nationale de la magistrature. J'ai été invité à intervenir auprès de magistrats en formation continue sur le thème de la bioéthique, parce que vous savez qu'en France, actuellement, la loi bioéthique est en cours de révision, donc il y a plein de choses qui bougent autour de ça, mais il n'y a pas qu'en France, mais la plupart des pays aussi, c'est nécessaire de revoir un certain nombre de choses. Et quand on parle de bioéthique, d'intelligence artificielle, donc on parle de biologie, de santé, de loi, d'aspects juridiques, on parle de maths, d'infos, donc ça touche à énormément de domaines, et c'est assez compliqué d'essayer d'être un peu synthétique dans tout ça, donc c'est ce que je vais essayer de faire pour ne pas trop vous mélanger. Et pour ça, j'ai demandé un coup de main à Aurel, qui est biologiste, et on compte actuellement en McGill sur la biologie moléculaire pour essayer d'éviter de dire trop de bêtises sur la biographie en bio, et aussi à Céline pour surveiller ce que je vais dire sur les aspects juridiques et compléter si vous avez des questions. Donc voilà le schéma autour de ça. Alors, comme c'est un exposé qui est préparé pour les juristes, un peu un public particulier des magistrats, donc il y a des choses sur lesquelles je vais aller vite, d'autres choses sur lesquelles je vais insister. Je vais essayer de ne pas être trop long, donc des choses sur lesquelles je vais passer assez vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux d'abord approfondir certaines choses. Voilà. Alors, les choses où je vais aller assez vite, c'est les choses où vous êtes déjà convaincus qu'il y a un énorme battage sur l'intelligence artificielle. C'est une réalité. Mais c'est important d'ouvrir le capot de temps en temps et voir ce qui se passe. Donc ça, les enjeux sociétaux et financiers sont considérables, c'est une réalité. C'est pas la peine que j'insiste là-dessus. Autre chose aussi, c'est qu'il est important de se préoccuper de l'éthique. Ça aussi, c'est une qualité pour laquelle vous êtes convaincu. Parce que s'il n'y a pas de confiance du public, pas d'éthique, pas de confiance du public, pas de données, pas d'intelligence. C'est une équation qui est imparable. Donc, c'est évident qu'il faut se préoccuper d'éthique avec des enjeux financiers considérables qui sont derrière, bien entendu. Là aussi, je passe vite. C'est des choses qui me sont familières. Autre chose aussi où je passe vite, c'est que tout le monde parle d'éthique en intelligence artificielle. Et après, le 70 rapports, chartes, guides autour de l'éthique de l'intelligence artificielle, mais il y a peu de choses concrètes et précises qui sont faites autour de ça, sauf sur la confidentialité des données. Sur la confidentialité des données, il y a énormément de choses qui sont faites,
La CNIL en France fait un gros travail pour la protection des données, mais il y a d'autres questions qui sont soulevées, et c'est là où les choses ne sont pas très précises, et c'est important d'en parler. Donc, je vais faire un focus sur les applications en santé, pour tout un tas de raisons, mais c'est ça qui me semble important d'aborder maintenant, au moins dans cet exposé. Donc, à mon point de vue, il y a trois questions majeures qui sont soulevées par l'utilisation de l'IA sur les applications de santé. La problème, c'est une question générale, générique, c'est tout ce qui touche à accountability, donc la redevabilité et la responsabilité de l'utilisation de ces algorithmes, alors qu'un certain nombre d'algorithmes sont tout à fait opaques et très peu interprétables dans leur utilisation. Donc, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est celui des risques de discrimination, donc en lien avec la représentativité des données. C'est le deuxième point que je vais développer. Mais c'est sur ces points-là, finalement, c'est assez simple de bien cerner les questions. La troisième question, elle est beaucoup plus délicate à cerner, c'est ce qui touche à la balance bénéfice-risque entre intérêt public, donc je traduis en québécois bien commun, et la confidentialité des données. À quelle mesure je peux ouvrir les données au bénéfice commun, au bénéfice du public. Et c'est là où cet équilibre est très difficile à donner. C'est là, je pense, qu'il y aura le plus de questions sensibles à aborder. Alors, pour ce qui est de la partie redevabilité et opacité, on peut s'intéresser à ce que dit la loi. Donc, ça, il y a déjà le consentement libre et éclairé qui est dans l'article du Code de santé publique. Imagine qu'au Québec, il y a le même genre d'obligation d'expliquer aux patients tout ce qui le concerne. La difficulté, c'est comment rendre une explication intelligible lorsqu'on utilise un algorithme de décision qui est lui. C'est ça la première question. Qu'est-ce que l'on peut faire? Et éventuellement, comment caractériser les responsabilités en cas d'échec ou d'erreur? Mais ça, j'aborderai pas ces questions qui sont plus juridiques que techniques que de mon expertise. Le deuxième problème, c'est le risque de discrimination. Donc, dans la loi française, il y a un article 225, il y a deux aspects dans la discrimination. C'est ce que j'avais abordé dans l'exposé, dans l'atelier de février dernier. Il y a d'une part la discrimination directe d'une personne, et aussi il y a la discrimination indirecte vis-à-vis d'un ensemble de personnes ou d'un groupe. Et ça, c'est nettement plus difficile à caractériser du point de vue juridique. Comment on mesure que l'on porte atteinte à des personnes. C'est là où il y a des solutions techniques qui sont faciles à aborder, qui seraient nécessaires d'intégrer finalement à des outils d'audit ou d'adopte. Alors, si on s'intéresse maintenant, si on revient sur la santé publique, évidemment, il y a dans un article du Code pénal, il est interdit de discriminer une personne envers pour l'accès aux soins. D'accord, ça, c'est la caractéristique évidente. Mais vis-à-vis de la discrimination par rapport à un groupe, il y a une dans le Code de santé publique, et c'est peut-être là où il faut se poser des questions un peu plus finement sur ce genre de discrimination. Ensuite, le troisième point, donc d'un point de vue juridique, c'est ce qui touche à la balance, à l'équilibre entre bénéfices et risques. Donc, dans le fameux article 22 du RGPD, il est question des traitements automatisés appliqués à des personnes. Donc, je ne voudrais pas redétailler tout l'article 22 que vous avez déjà étudié, mais je vais simplement souligner dans le point 4 qu'on peut autoriser l'accès des données personnelles à condition d'un intérêt public substantiel. Donc, à condition d'un bien commun substantiel, c'est déjà dans l'article 22 du RGPD. Et ça a été évidemment repris dans la loi en France pour intégrer ce règlement du RGPD dans la loi française. Donc, la loi française a été changée. Et finalement, maintenant, dans le Code de santé publique, on peut ouvrir, les organismes ont la possibilité d'ouvrir l'accès aux données sans nécessairement demander le consentement de chaque personne, à condition qu'il y ait un certain nombre de bénéfices, dont un bénéfice pour la recherche, l'innovation dans le domaine de la santé, de la prise en charge médico-sociale. Donc, en gros, on peut ouvrir les données pour la recherche sous réserve de confidentialité de ces données, c'est le point juridique. Mais la question sous-jacente, c'est qu'est-ce que c'est qu'un intérêt public substantiel? Et c'est là que ça se complique un peu. C'est là-dessus que je vais insister particulièrement, plus que sur l'aspect confidentiel. Alors, quels sont maintenant les domaines de santé concernés par l'intelligence artificielle? Si on regarde la loi de bioéthique 2011, elle ne parle absolument pas d'intelligence artificielle. En revanche, la loi oblige
pour sa révision, a organisé des états généraux. Donc, en 2018, des états généraux se sont réunis et ont abordé tous les points délicats de cette loi de bioéthique. Donc, il a été question de procréation assistée, de recherche sur l'embryon, de don d'organes, de fin de vie, de neurosciences, d'environnement. Donc, tous des points qui sont extrêmement sensibles, liés à l'environnement culturel et juridique d'un pays. Et en France, actuellement, on ne parle que de PMI. C'est la source du conflit essentiel. Et on oublie tous les autres points qui sont quand même aussi importants par ailleurs. Alors, quels sont les points qui ont été abordés dans les états généraux et qui concernent l'intelligence artificielle? Il y en a trois. Les bases de données de santé, donc l'accès à ces bases de données. La médecine génomique, j'en reparlerai un peu plus. Et tout ce qui touche à IA et robotisation de la médecine, avec un titre assez générique, il serait important de préciser aussi. Donc voilà les trois domaines qui touchent finalement la santé. Alors, si je m'intéresse d'abord aux bases de données, eh bien, la loi a permis la constitution d'un système national des données de santé qui regroupe toutes les grandes bases de données de santé en France. Donc, c'est en train de se mettre en place, de se constituer, dont la fameuse base SNIRAM qui contient toutes les données de la carte vitale, c'est-à-dire tous les actes médicaux associés à chaque personne. Donc, à chaque fois que vous avez une ordonnance, un soin, vous donnez votre carte vitale, c'est enregistré, vous avez une énorme base de données, la plus grosse au monde, avec 62 millions d'individus dont tous les parcours de soins sont enregistrés. Donc, c'est une énorme base de données. Évidemment, les enjeux derrière cette base de données sont ainsi considérables. Il y a toutes les bases de données contenues par les hôpitaux. Les causes médicales de décès, c'est une base de données qui est pilotée par l'INSERM, l'Institut national de recherche en médecine. Et les données relatives au handicap, plus les données qui sont liées aux assurances complémentaires, assurances santé complémentaires. Donc tout ça, ça fait quand même une énorme masse de données qui pourrait s'ouvrir sous condition à la recherche. En parallèle à ça, la France a développé un plan France Médecine Génomique où deux plateformes ont les moyens de faire du séquençage à haut débit de génome. Donc, l'ambition, c'est de pouvoir séquencer des dizaines de milliers de génomes par an pour compléter les bases de données. Donc, voilà ce plan France Génomique. Donc, il y a quand même un énorme masse de données qui pourrait s'ouvrir à la recherche. Et l'ouverture de ces données, en fait, est contrôlée par le nouvel Institut national des données de santé qui demande l'avis à la CNIL sous certaines conditions. Et voilà comment ça se structure actuellement en France sur l'accès à ces données. Alors, donc, ça, c'est l'avis de l'ouverture du SNDS qui a été lancé. Mais localement aussi, à Nantes, les CHU ont la capacité de constituer les bases de données pour les ouvrir à la recherche sous contrôle de la CNIL, bien entendu. C'est ce qui se passe actuellement à Nantes. C'est ce qui risque aussi de se passer à Toulouse dans un prochain. Donc voilà l'aspect base de données. L'aspect médecine génomique est important parce qu'il est relié à ce qu'on appelle la médecine 4P, prédictive, préventive, participative et personnalisée. En médecine prédictive, on veut évaluer le risque d'une pathologie pour un individu donné. C'est très ambitieux comme objectif. Médecine préventive, c'est être capable évidemment de prévenir ce risque. Participative, c'est que pour faire la prévention, il faut évidemment la participation de la personne, sinon ça ne sert à rien. Et aussi personnalisé ou de précision, c'est pour être capable d'adapter la thérapie à chaque patient. Et là aussi, c'est très ambitieux. Mais enfin, c'est le buzz autour de la médecine qui est actuellement, on n'entend plus parler que de ça. Donc, la médecine génomique se branche évidemment sur cette médecine 4P parce qu'elle apporte des informations spécifiques à chaque individu avec son génome ou tout simplement ses variants génétiques. Je détaillerai plus tard tout à l'heure. Et puis, tout ça est relié avec la médecine translationnelle, qui est une forme de motivation. C'est quoi la médecine translationnelle? C'est de vouloir accélérer les applications de la recherche. Actuellement, il faut 10-15 ans pour qu'une molécule devienne un médicament. Donc, on voudrait accélérer les choses à chaque percée thérapeutique originale. On voudrait pouvoir que ça s'applique le plus rapidement possible aux patients. C'est ça l'objectif de la médecine translationnelle qui veut favoriser les échanges, la pluridisciplinarité et évidemment l'ouverture des données. Donc, tout ça est intimement relié. Alors, revenons maintenant sur les aspects médecine génomique, qui est un point important des objectifs pour une médecine personnalisée. Donc, quelques données omiques quand même. Un génome, c'est 3 milliards 400 000 paires de bases. Donc, même en compactant le plus possible le génome d'un individu, c'est 3,5 gigaoctets. Donc, ça commence à prendre un peu de place. Et là-dedans, il y a
que 1,5% qui code pour des gènes, donc c'est très faible proportion du génome qui code pour des gènes, pour 26 517 gènes. C'est pour avoir une idée de grandeur de la complexité du génome. Et sur ce génome, on est capable de repérer ce qu'on appelle les single-nucleotide polymorphismes, des variants génétiques qui correspondent à des endroits sur le génome où il y a des mutations. Et on appelle SNP une mutation qui est représentée dans la population pour au moins 1,5% ou 2% de la population. On considère que ça devient un SNP que l'on peut prendre en compte. Et l'idée des Genomic World Association Studies, GWAS, c'est de constituer des immenses bases de données où pour chaque individu, on identifie la présence ou l'absence d'une mutation d'un SNP sur son génome. Donc on ne cherche pas à séquencer tout le génome, mais on identifie la présence-absence d'une mutation sur le génome. Et à part ça, donc on a, vous imaginez une très très grande matrice avec autant de lignes que d'individus, des dizaines de milliers, voire des millions de lignes que d'individus, autant de colonnes, ici 167 millions de colonnes possibles qui codent sur la présence-absence d'une mutation, d'un variant génétique sur son génome, et on rajoute à ça tout un tas d'informations sur le phénotype, c'est-à-dire la présence-absence d'une maladie. Et l'enjeu, c'est évidemment de trouver si la présence d'un variant est responsable d'une pathologie. Donc, c'est ça le cadre général des GWAS. Et on arrive à ce genre de graphique, ça s'appelle des Manhattan plots, c'est très joli. Chaque point, finalement, correspond à un SNP. Et quand vous avez des... Donc, ici, vous avez sa position sur le génome. Ici, c'est la probabilité pour que ce SNP, ce variant génétique, ait un impact sur une pathologie. C'est comme ça qu'avec ce genre de graphique, qui ne fait en fait, il n'y a pas d'IA, ce ne sont que des tests statistiques, on identifie des portions de génome qui pourraient avoir un impact possible sur une pathologie donnée. Voilà le cadre général de ces analyses GWAS Association Studies. Alors, quand on a affaire à une maladie monogénique, ça marche tout seul. On trouve une mutation sur un gène, par exemple, la myopathie ou la mucoviscidose, d'accord, où ça modifie une fonction biologique et ça produit la pathologie. Là, il n'y a pas photo, un gène, une mutation, une pathologie. Ça devient beaucoup plus compliqué lorsqu'on a affaire à des maladies polyfactorielles, chroniques et polygéniques. Parce qu'on se retrouve avec des situations où des dizaines, voire des centaines de zones du génome peuvent éventuellement impacter, en partie responsables de la pathologie. Et c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, ça, c'était la partie données génomiques. Et le troisième volet, donc, c'est tout ce qui est IA et robotisation de la médecine. Qu'est-ce qu'on peut automatiser dans la médecine à l'aide de l'intelligence artificielle? Alors, il y a les possibilités de robots de microchirurgie. Ça, je laisse de côté, je suis absolument pas compétent pour en parler. Ce qui est beaucoup plus, ce qui est très présent, dont on parle beaucoup actuellement, c'est l'aide au diagnostic à l'aide de l'imagerie médicale. Vous avez au moins 30 000 publications qui ont développé des travaux ou à partir d'imagerie médicale, donc là c'est des photos de la peau, ça peut être des radios, tout un tas de choses. On essaye de pouvoir montrer ou prédire plutôt qu'on a affaire à une tumeur maligne. Donc on essaye d'anticiper, de prévoir une maladie à travers de l'imagerie médicale. Donc, ça fait appel à de l'apprentissage profond, mais pour nous, on est tout à fait dans le cadre d'intelligence artificielle sur ce type d'application. Alors, de façon plus générale et plus générique, c'est d'être capable d'identifier des biomarqueurs qui permettent de prévoir l'occurrence d'une maladie. Donc, les hommes sont très sensibles au PSA, n'est-ce pas, une protéine, ici, elle est identifiée dans le sang, peut être un indicateur d'un cancer de la prostate. Voilà, un exemple de biomarqueur. Et, une bonne partie de la recherche consiste à rechercher, à trouver des biomarqueurs pour tout un tas de pathologies. Ça marche plus ou moins bien. Autre, donc ça, c'est l'aide au diagnostic. L'aide au choix thérapeutique. Vous avez tous entendu parler du Ben Watson, du projet Ben Watson qui était utilisé en cancérologie. IBM n'en parle plus. C'est un peu un casse-cou, ce type d'application. Donc, il vaut mieux le laisser de côté. On n'en parle pas. L'autre type d'application qui peut être intéressant, c'est la surveillance des effets secondaires. En France, actuellement, c'est le procès du Mediator, un scandale assez monstrueux. On ne va pas en parler parce que ça prend un peu trop de temps. Mais on peut imaginer qu'à travers les bases de données où sont enregistrées toutes les ordonnances, toutes les prescriptions médicales, on peut être capable de dire qu'à partir du moment où il y a telle
prescription qui est prise, est-ce que ça ne déclenche pas d'autres pathologies? En situation d'essai clinique phase 4 pour évaluer les effets secondaires des médicaments. Et là-dessus, donc, il y a des projets qui est CELIX, l'École Polytechnique, qui a développé un projet autour de l'utilisation de ces bases de données pour ce genre de choses. Il y a un article qui parle en 2019 là-dessus, je peux en reparler ici. Et le dernier, utilisation, automatisation, en fait, c'est un vieux sujet, c'est tous les suivis épidémiologiques. On suit des cohortes de patients et on essaye de voir quels sont les impacts de l'environnement ou du génome sur l'occurrence de pathologies. Donc, en France, il y a une énorme base de données épidémiologiques, une énorme cohorte qui a été mise en place à partir de 2011, qui réunit maintenant 200 000 personnes volontaires pour participer à cette cohorte. Et ces 200 000 personnes sont suivies avec des électrocardiogrammes, des électroencéphalogrammes, et aussi avec un questionnaire chaque année pour savoir où elles travaillent, qu'est-ce qu'elles font, quel est leur environnement, qu'est-ce qu'elles mangent, etc., pour avoir le suivi de cette cohorte. Donc, voilà le type d'application que l'on peut imaginer. Alors maintenant, que vient faire l'intelligence artificielle dans ces environnements-là? Donc c'est là où je peux passer assez vite, mais n'hésitez pas à m'arrêter si vous voulez des explications, c'est pour éviter de prendre trop de temps. Parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais finalement, quelle est la plus utile? Qu'est-ce qui est le plus utile, le plus utilisé dans notre quotidien? En fait, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle qui sont les algorithmes d'apprentissage automatique, machine learning, qui apprennent à partir des données pour construire des données de données. Donc, dès que vous faites du profilage publicitaire, dès que vous faites de l'analyse automatique de CV pour savoir si vous allez embaucher ou non la personne dans ce qui s'est passé chez Amazon, dès que vous analysez des risques de défaut de paiement, des comportements à risque, de rupture de contrat, donc vous faites du marketing quantitatif, ou si vous essayez de trouver des risques de défaillance ou des pannes d'un système industriel, donc là c'est une application à l'industrie, ou faire du diagnostic automatique, ou retrouver des risques de récidive ou de passage à l'acte, donc là on va toucher la justice prédictive ou la police prédictive, et bien vous mettez en œuvre un certain nombre d'apprentissages, dits d'apprentissage automatique, et vous avez toute une panoplie, un panel d'algorithmes qui permettent d'atteindre cet objectif, dont les réseaux de neurones, les neurones profonds qui font partie de cet ensemble d'apprentissage automatique. Voilà. Donc ça, c'est la seule diapo mathématique de l'exposé, où vous imaginez les choses que vous mesurez, donc ça peut être que vous observez, donc des variants, des mutations sur le génome, des mesures biologiques, des historiques bancaires d'une personne, etc., des comportements sur le web, tout ce que vous voulez, des mails. Ici, vous aurez une vraie fonction que vous ne connaissez pas et qui vous permet de relier ces observations à ce que vous voulez. Pathologie, pas pathologie, bon remboursement d'emprunt, pas bon remboursement d'emprunt, tout un tas de choses que vous auriez aimé prévu. À partir d'une grosse base de données, vous essayez de construire quelque chose qui approche cette fonction-là. Donc, ça peut être soit un modèle statistique classique, soit un algorithme d'apprentissage. Et comme vous avez aussi observé pour cet échantillon la vraie valeur de Y, vous essayez de relier ces observations-là à la vraie valeur de Y. Évidemment, il y a une erreur qui apparaît pour tout un tas de raisons, parce que vous faites des erreurs de mesure, parce que vous n'avez pas observé nécessairement toutes les bonnes variables de votre modèle. Donc, peut-être que vous n'arrivez pas à bien prévoir. C'est là qu'intervient l'erreur de prévision. Et une fois que vous avez construit votre F-chapeau, vous pouvez l'appliquer à de nouvelles observations pour construire une prévision de votre Y, savoir si vous avez bien remboursé votre emprunt bancaire, ou savoir si vous allez développer l'entière une pathologie dans un prochain temps. Donc, voilà le cadre général de l'apprentissage. Donc, ça, c'est un modèle très simple qui rentre là-dedans. C'est un modèle statistique où on essaye de prévoir la concentration en ozone de lendemain. Le lendemain appartient à un certain nombre de variables météorologiques. Ça, c'est les observations. La ligne bleue, c'est le vrai modèle. Et même si on a beaucoup, beaucoup d'observations, bah, peut-être qu'il y a quand même toujours une erreur, un bruit résiduel. Et je reviendrai là-dessus. Il faut faire attention entre ce qui est l'erreur d'estimation et l'erreur de prévision, de bien distinguer les deux choses. C'est pas la même chose. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut bien distinguer deux objectifs. C'est là-dessus. Là, je vais un peu insister parce que ça a une importance pour la suite. On peut avoir simplement un objectif explicatif, qui est l'objectif de la statistique inférentielle classique, de faire du test, c'est-à-dire de montrer qu'un facteur influe sur quelque chose. Un gène influe sur une pathologie.
Donc là, ce qu'on montre, l'influence d'un facteur. C'est un premier objectif. C'est là où le test statistique, finalement, est un outil de preuve scientifique, utilisé depuis très longtemps. On calcule une p-valeur, et si la p-valeur est plus petite que 5%, on dit que ce facteur influe sur le y en question. Mais on peut avoir un autre objectif, qui est un objectif prédictif, et qui peut se détailler en deux sous-objectifs. Soit je fais une prévision, et j'aimerais quand même expliquer comment marche la prévision. C'est ici, là, je fais une prévision de la concentration en ozone du lendemain, mais je peux dire que cette concentration augmente avec la température et diminue avec la nébulosité. Donc, je suis capable d'expliquer simplement ma décision. En revanche, on va le voir, si je fais des réseaux neurones, je ne peux plus expliquer ma décision. Aussi simplement. Donc, on peut avoir une prévision avec explication ou simplement une prévision brute, la meilleure possible, sans être capable d'expliquer finement ce qui se passe. Et le gros travail du data scientist, c'est justement de sélectionner le bon modèle ou le bon algorithme qui va minimiser le risque d'erreur de prédiction. C'est là où il faut faire attention, parce qu'il y a deux mots qui peuvent distinguer deux choses. Le risque d'erreur, lorsque je dis qu'un gène influe sur une pathologie, d'accord, il y a un premier type de risque d'erreur là, qui est là, ou alors un risque d'erreur qui est l'erreur de prévision lorsque je prévois l'occurrence de la maladie. C'est deux choses différentes qu'il faut bien distinguer. Alors, quels sont maintenant les facteurs de qualité d'une prévision? Essentiel, les données. C'est pour ça que tout le monde se focalise sur les données. Il faut important que ces données soient représentatives et sans biais. Pourquoi? Parce que si vous observez des individus dans un groupe, puis si vous voulez faire une prévision avec un individu dans un autre groupe, ben ça marche pas, parce que il n'aura pas de collègues suffisamment proches pour relier ces observations X avec Y. D'accord? Il faut que vos données soient représentatives de ce que vous allez prévoir, sinon ça marche pas. C'est très important. En plus, s'il y a des biais, on reviendra sur ces choses. Il faut aussi avoir observer les variables qui sont pertinentes. D'accord? Vous pouvez observer des millions de variants génétiques, de mutations, mais si la cause de la pathologie, c'est simplement l'environnement, ça ne sert à rien, vous n'arrivez à rien prédire. Donc voilà, il faut avoir observé les bonnes variables. Et il faut aussi avoir une variable réduite du bruit. C'est ce que je mets ici. Voilà. Si vos points rouges sont énormément dispersés, ben votre prévision ne va pas être très bonne. Et ce n'est pas parce que vous rajoutez des observations que votre prévision s'améliore. Si vous rajoutez des observations, vous améliorez l'estimation de votre droite, là. Mais la prévision restera toujours entachée d'un bruit résiduel incompressible. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'il faut, c'est une chose basique pour le statisticien, mais qu'il ne faut pas perdre de vue lorsqu'on met en œuvre ce type de méthode et d'information. Je continue. Donc, alors, quels sont les facteurs de qualité de prévision, donc les données, et est-ce que la taille de l'échantillon est utile? Donc, comme je vous l'ai dit, plus on a de poids dans notre échantillon, meilleur peut-être l'estimation de modèle ou l'entraînement d'algorithme, mais il reste toujours une erreur résiduelle qui est imparable. Et l'autre sujet aussi, c'est que la taille des données dépend de la complexité du modèle. C'est là où ça devient un peu plus compliqué, mais je peux vous l'imager avec le doigt, avec les mains. Pour définir une droite, vous avez besoin que de deux points. Pour définir un plan, vous avez besoin de trois points. Donc, plus la dimension de l'espace est grande, plus il faut de points pour définir le modèle. Maintenant, si vous voulez un modèle linéaire, il suffit de deux points. Si vous voulez un modèle qui est polynomial de degré 3, il faut trois points pour le définir. D'accord? Donc, si vous voulez un modèle polynomial dans l'espace de grande dimension, il faut beaucoup, beaucoup de points pour le définir. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi lorsqu'on considère ces algorithmes. Donc, imaginez que vous ayez simplement d égale 20 gènes qui sont actifs sur une pathologie. Imaginez que vous vouliez prendre en compte les interactions d'ordre 3 des gènes. C'est pas beaucoup parce qu'on sait qu'en biologie, il y a des circuits d'interaction très complexes dans tous les gènes dans le vivant. Eh bien, sur ce 20 variables niveau 3 de l'interaction, il vous faut 3,5 milliards de paramètres pour définir votre modèle. C'est pour vous faire toucher du doigt la complexité du vivant. C'est pas simple du tout de modéliser le vivant. Donc, on tombe sur un vieux sujet de, comme disent les statisticiens, c'est le fléau de la dimension pour estimer ce genre de bruit. Et vous rajoutez à ça la variance du bruit, c'est-à-dire si en plus il y a du bruit, ben, il faut beaucoup de points pour essayer, en moyennant l'estimation, d'avoir l'estimation d'un bon modèle.
tout ça se combine pour dire qu'il faut éventuellement beaucoup, beaucoup d'observations pour arriver à faire de la prévision correcte. D'où la pression de beaucoup de monde pour ouvrir les bases de données pour avoir beaucoup de points, beaucoup d'observations, beaucoup de données. Attention, si elle est grande, le modèle est bien estimé en moyenne. Ça ne veut pas dire que la prévision est bonne. Là aussi, il faut faire très attention à ça. Donc, parce que ça dépend de la valeur du bruit, c'est dépend de la puis on peut aussi faire un surapprentissage, mais là, je laisse de côté. Voilà un petit dessin. Donc ici, vous voyez bien qu'un modèle linéaire n'est pas adapté pour passer par tous ces points. Si vous faites passer un modèle non linéaire ici, vous voyez que ça ajuste bien les points. Bon, c'est sûr qu'il y a une erreur résiduelle, c'est pas très grave, parce que c'est dû aux erreurs de mesure, c'est bien tant de choses. Mais si vous essayez de faire passer un modèle par tous les points, bien, vous obtenez des choses qui sont vraiment pas bonnes. C'est ce qu'on appelle le surapprentissage. Ça ne marche pas pour vous. Donc, voilà tout ce qui est fait le métier de data scientist pour choisir le bon modèle à travers les données. Même chose pour la classification. Donc là, ensuite, je vous explique que ça, c'est un modèle linéaire. Ça fait une combinaison linéaire des variables. Donc, c'est facile à interpréter et à expliquer. Mais si ensuite je dis, je ne veux pas prédire quelque chose de quantitatif, je veux prédire quelque chose de qualitatif, comme la probabilité d'avoir une pathologie, d'être malade, eh bien, je rajoute une petite fonction ici, non linéaire, de la combinaison linéaire, et ça, c'est toujours facile à interpréter, c'est ce qu'on appelle la régression logistique, avec ce genre de modèle, où on vous dit que si vous fumez, vous avez 10 fois plus de chances de développer un cancer du poumon que si vous ne fumez pas. Donc, ça reste des choses facilement interprétables. Mais si cette petite boîte, maintenant, on dit que c'est un neurone, et qu'on les enferme dans des couches de neurones, eh bien, on modélise des choses qui sont non linéaires. Il faut le faire parce que le vivant est non linéaire, mais on ne sait plus interpréter. Pourquoi? Parce que dans une certaine zone de l'espace, une variable qui va agir dans un certain sens, une autre zone de l'espace, la même variable va agir dans un autre sens, et c'est compliqué. Par exemple, si vous prenez du doliprane, ben, ça se passe bien, mais moins mal à la tête. Si vous prenez trop de doliprane, vous démontez le foie, et ça ne se passe pas bien du tout pour vous. Voilà les choses non linéaires qui peuvent apparaître dans le vivant. Et à partir de ça, on ne sait plus interpréter, on ne sait plus expliquer simplement l'effet des variables. Voilà. Et quand vous faites de la reconnaissance d'image, eh bien, vous avez 152 couches de neurones qui vous permettent de faire la reconnaissance d'image. Ça marche bien, mais le problème de la reconnaissance d'image est très spécifique finalement parce que c'est simplement identifier quelques bonnes caractéristiques qui permettent de reconnaître des images et pas de gérer pour autant les millions de pixels de chacune. Donc, en résumé, sur les intelligences artificielles, l'essentiel, c'est la qualité des données, la représentativité, plus que la quantité finalement. C'est ça qui est fondamental pour avoir des bonnes applications. Alors, là, il y a des choses un peu théoriques sur l'intelligence artificielle que je vais laisser de côté parce que, en fait, certains ont montré que l'apprentissage était indécidable pour certains concepts. D'autres disent que c'est pas grave parce que l'apprentissage, même si on ne peut pas décider que ça marche, c'est souvent efficace. En fait, c'est efficace dans certaines applications, en particulier en reconnaissance d'images, ça marche bien, ça marche aussi bien que l'expert humain, il faut mieux. Mais attention, fléau de la dimension, c'est pas parce que les algorithmes d'apprentissage marchent bien dans certaines circonstances, qu'ils marchent bien partout. Donc, si on voit le jeu de Go qui est où ça marche bien, c'était ça a été très bluffant de voir qu'un algorithme pouvait apprendre à jouer au Go et jouer mieux que le meilleur des humains. Mais il faut quand même savoir qu'un jeu de Go, ce n'est que un tableau 19 par 19. Donc, au point de vue de la complexité du nombre de paramètres qu'il faut derrière, c'est pas extraordinaire par rapport à la complexité du vivant, par rapport à l'explosion combinatoire de la complexité du vivant. Alors, cette explosion combinatoire de la complexité du vivant a une utilité. Elle permet de construire des empreintes génétiques, de définir ce que c'est qu'une empreinte génétique. Une empreinte génétique, vous identifiez a priori 15 zones, seulement 15 zones du génome, parmi les 3 milliards, etc., de séquences de base, vous identifiez 15 zones du génome, et par la présence, absence de certaines mutations sur ces 15 zones du génome, vous pouvez identifier de façon unique tout le monde sur la Terre, sauf les jumeaux homozygotes, que vous ne pouvez pas évidemment discriminer. C'est là où on voit que la complexité du vivant fait que nous sommes tous uniques. Vouloir faire la prévision sur des gens uniques, ça devient compliqué, et c'est ça là-dessus sur quoi je veux en fait insister. On a des algorithmes non linéaires, boîte noire, pas interprétables, et un phénomène de complexité redoutable. Donc maintenant, si je reviens, excusez-moi du détour,
finalement aux questions éthiques d'IA en santé, d'intelligence artificielle appliquée en santé. Donc, je reprends mes trois questions, là, biais et discrimination, consentement libre et éclairé, et bien commun en face du risque d'ouverture des données. Donc, pour les aspects discrimination, je n'ai pas trouvé d'exemple en France, parce que en France, c'est un retard sur l'utilisation de l'IA en médecine, mais on trouve évidemment des exemples aux États-Unis, où un premier article montre sur 70 millions d'Américains qu'il y a un sérieux biais dans l'utilisation des antalgiques en fonction de l'origine ethnique des personnes. Ça, c'est le biais de société qui existe, qui est repérable. Et vous avez aussi certains qui montrent que finalement, si on essaye d'utiliser des algorithmes automatiques pour faire le tri des patients, par exemple pour prévoir quelle est la durée d'hospitalisation, donc en fonction de ça, ben, ça va faire différents types de traitements, eh bien, la variable qui permet le mieux de prévoir la durée d'hospitalisation, finalement, c'est le code postal. C'est à Chicago, donc vous imaginez tout de suite les conséquences derrière qu'il y a sur le fait que cet algorithme, non seulement est sensible au biais, mais en plus va le renforcer. D'accord ? C'est ça qui est important de détecter et de voir dans l'utilisation de ce type d'algorithme. Évidemment, les gens sont conscients, vont essayer de faire mieux, etc. Donc, c'est important de voir cet aspect-là dans l'utilisation discriminatoire des algorithmes, qui est le premier niveau de discrimination. Après, il y a un autre niveau de discrimination, c'est de se dire que finalement, on est tous égaux, mais des fois, l'algorithme va se tromper plus pour certains que pour d'autres. Le biais dans les données fait que si un groupe est sous-représenté, la prévision va être moins bonne pour lui que pour lui. Ce qui se passe en reconnaissance faciale, où les formes noires sont très difficilement reconnaissables, contrairement aux hommes blancs, ce qui est bizarre. Donc, voilà le genre de problème qui peut apparaître. Je vais revenir dessus tout de suite après. Il y a un autre type d'erreur qui apparaît dans les algorithmes, mais là, pas vraiment en santé, c'est en forme de justice prédictive, c'est le risque de récidive, donc si je vous renvoie à la faire comme passe, où le problème, c'est la symétrie de l'erreur qui n'est pas la même pour les blancs ou pour les noirs. Donc, quel est le problème? Donc, j'insiste là maintenant sur le deuxième point, taux d'erreur discriminatoire. Si vous regardez les bases de données, les fameuses bases de données JWoww, qui empilent des milliers de lignes pour savoir quelles sont les mutations génétiques des gens, pour essayer de voir le lien à quelle pathologie, vous vous rendez compte qu'en 2009, 96% de ces bases de données étaient en fait des gens avec une origine européenne. En 2016, on est passé qu'à 81%, avec 19% qui étaient d'origine asiatique. La Chine essaie de rattraper son retard, elle séquence des millions de génomes. Mais vous pouvez vous douter qu'en Chine, on ne séquence pas nécessairement les Ouïghours, mais plutôt les Arabes. Voilà. Des choses assez évidentes qui peuvent apparaître. Donc, clairement, les bases de données ne sont pas représentatives des populations des différents pays. Donc, il y a un problème de biais ethnique. Il y a un problème aussi lié à l'âge. C'est que ces bases de données ne prennent absolument pas en compte l'environnement, donc l'évolution dans le temps des personnes. Et le sexe non plus n'est pas pris en compte dans la mesure où le chromosome X est sous-représenté dans ces bases de données en termes de SNP, et le chromosome Y n'est pas séquencé. Donc on oublie l'importance du sexe dans l'analyse, les risques pathologiques qui peuvent découler d'un certain nombre de variants génétiques. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Comment réduire les biais en santé? Alors une chose, donc ça, c'est est-ce qu'il serait quand même possible d'auditer les algorithmes, de définir des protocoles d'audit des algorithmes pour faire les choses proprement? C'est là-dessus peut-être que nous aurions échangé avec Obvia ou avec IDEA pour avancer sur ce problème-là. Après, quand même, la FDA et la Haute Autorité de Santé en France sont sensibles à ces problèmes-là. Et elles ont publié assez récemment des recommandations, voire des réglementations, et ça concerne les dispositifs de santé connectés. Donc, dispositifs de santé connectés, vous utilisez votre smartphone, vous envoyez une photo de votre peau, ça vous dit si vous avez une tumeur, enfin, un mélanome plutôt qu'une simple virus. Donc, ça, ce sont des dispositifs de santé connectés, et la HAS insiste lourdement pour que les bases de données soient représentatives, qu'on contrôle les biais, qu'on contrôle les erreurs de prévision. La FDA fait de même, et la FDA, je crois, a validé 3 dispositifs connectés de santé pour ce genre de diagnostic actuellement.
Ça, c'est la première chose pour faire un minima, pour faire des choses correctes. La deuxième chose aussi, ça concerne la constitution des cohortes qui doivent être représentatives de la population. Donc la cohorte Constance, qui contient 200 000 personnes, a été construite de, on ne prend pas tout le monde, tous ceux qui veulent volontaires, on prend de façon à respecter ce nombre de quotas représentatifs de la population. Un béaba de déontologie statistique et scientifique. Même chose lorsque vous étudiez la base de données Stiram. En fait, le gros travail pour étudier cette base de données, pour étudier une cohorte de cette base de données, c'est d'arriver à extraire les bonnes informations. 90% du temps de travail, c'est d'arriver à extraire les données, constituer une cohorte représentative, décoder des choses abominables dans cette base de données pour arriver à construire quelque chose. Ça a permis à ces, dans cet article de montrer l'influence de l'alcool, consommation abusive d'alcool sur les maladies dégénératives. Voilà le genre de travail qui peut être fait, à condition de faire les choses correctement, proprement, pour avoir des bases de données représentatives. Concernant maintenant le consentement libre et éclairé versus l'opacité des algorithmes, le RGPD, la ligne 3, dit qu'il faut une intervention humaine. En fait, ça permet d'ouvrir à la responsabilité. Ce n'est plus un algorithme qui prend la décision, nécessairement, il faut une intervention humaine. Et c'est cette personne-là qui va prendre la responsabilité de la décision. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, mais en fait, quand vous avez une boîte noire, pour le patient, pour le médecin, si c'est un réseau de neurones profond qui prend la décision, il se moque de savoir comment a été prise la décision. C'est important pour celui qui construit le modèle, parce qu'il regarde comment il marche bien, comment il marche pas bien, qu'est-ce qui fait qu'il a mal détecté des tumeurs cancéreuses plutôt que de ne pas les détecter. En revanche, ce qui concerne directement le médecin et surtout le patient, c'est le risque d'erreur. Si on vous dit que je vais diagnostiquer une tumeur cancéreuse avec 1% simplement de risque de me tromper, si l'intervention qui suit une intervention chirurgicale, il n'y a pas photo. En revanche, si on vous dit, mesdames, que vous avez une mutation sur le gène BRCA, vous avez 2 chances sur 3 de développer un cancer du sein, ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite faire une intervention. Voilà, c'est vraiment le point important sur lequel il faut insister. Et là, ça vaudrait le coup, donc London parle de ça aussi dans une publication, de réglementer cette obligation d'informer sur le risque. Mais ce n'est pas toujours très clair dans les réglementations. Voilà, donc pour le consentement éclairé, finalement, c'est assez simple de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Là où ça devient plus compliqué, c'est comment mesurer le bien public, le bien commun, l'intérêt public vis-à-vis des risques de confidentialité. Alors, quels sont les risques de confidentialité qui peuvent apparaître dans les bases de données? Dans l'article du Code de la santé publique, les bases de données nécessairement suppriment le nom, l'identifiant national, numéro INSEE, l'adresse. Voilà. On supprime ces choses-là. Mais il est facile de voir que si vous connaissez la date de naissance d'une personne, simplement son code postal, son sexe, vous identifiez déjà de façon unique les 80% des personnes. Vous rajoutez le nombre d'enfants, vous identifiez 98% des personnes. Donc, c'est là où il est facile de réidentifier les bases de données simplement à partir d'un certain nombre de caractéristiques relativement élémentaires. Alors là, il y a tout un tas d'articles qui ont montré qu'il est facile de désanonymiser les données anonymes. Donc, il faut avoir des pratiques de confidentialité contrôlées, efficaces. Donc, des pratiques de confidentialité différentielles ou pas différentielles qui contrôlent le risque de réidentification, éventuellement la cryptographie, mais c'est tout un domaine qu'il faudrait discuter. Je ne vais pas aborder là-dessus, mais c'est clair qu'il faut être très prudent sur la façon dont on anonymise les données avant de les rendre publiques. Parce que non seulement il y a un risque de désanonymisation, il y a un risque de fuite, de malveillance. Donc, vous avez tous un compte à Banque des Jardins, donc vous êtes tous sensibles aux fuites des données. Voilà. Donc ça, c'est le risque. Et en face, on met l'intérêt public, le bien commun. Donc, est-ce que simplement la recherche et le développement des connaissances, le nombre de publications, suffit à développer, à être le bien commun d'intérêt public? Je ne suis pas convaincu que ça suffise. Donc, il faut des résultats substantiels et concrets de santé pour pouvoir ouvrir les données. Ça, à mon avis, un minimum. Alors, quelles sont les choses qui marchent et les choses qui marchent moins bien? J'ai fait un peu de bibliographie en diagonale, rapidement cet été. Donc, il y a des choses qui marchent bien, comme on l'a dit, c'est ce qui est lié à l'imagerie, donc au diagnostic par l'imagerie médicale, où vous avez
de nombreux articles qui montrent que finalement, on est capable de détecter une tumeur sur une radio presque aussi bien qu'un humain. Et là, vous avez un article de Liu et al. Qui a fait une étude, donc a fait une méta-analyse des 38 000 articles, qui a identifié la grosse dizaine d'articles où il y avait une vraie comparaison correcte entre la qualité de prévision de l'algorithme et la qualité de prévision humaine. Il faut faire les choses proprement aussi. Donc, il faut que cette comparaison soit faite sur un échantillon indépendant et pas participer à l'analyse, sinon on biaise le résultat. Donc là, il y a des protocoles à mettre en place pour montrer qu'effectivement, l'outil automatique est efficace et peut être déployé en santé publique. Mais ça peut marcher. Les autres choses qui marchent bien aussi, c'est tous les modèles épidémiologiques. Là, ce ne sont plus de l'apprentissage profond, c'est plus de l'intelligence artificielle, c'est des modèles statistiques classiques, ou des modèles de durée de vie, des modèles de régression logistique, où on va montrer l'influence du tabac, des pesticides, tout ce que vous voulez, sur la santé publique. Ça, c'est des modèles épidémiologiques assez classiques. Et puis, vous avez la médecine génomique, qui marche bien pour les maladies rares monogéniques. Un gène, une fonction, une pathologie. Là aussi, la prévision est sans faille. Sauf que la prévision n'est pas toujours sans faille parce que vous avez une notion qui s'appelle la pénétrance. C'est la probabilité de développer la maladie lorsque vous avez la mutation. En mucoviscidose, pas de chance, 100% développe la maladie. Le fameux mutation sur le gène BRCA pour le cancer du sein, seulement 70% développent la maladie. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus faible. Et après, ce qui est important aussi sur le débat, faut-il faire des tests génétiques? Faut-il informer les personnes des résultats de ces tests génétiques? Une autre information qui est importante, c'est l'actionnabilité. Est-ce qu'on est capable, connaissant la mutation, de soigner? Si on n'est pas capable de soigner, ça ne vaut peut-être pas la peine d'informer la personne. Tout ce débat-là, mais ce n'est pas mon propos. Moi, je suis le technicien dans cette question. Alors. Donc ça, c'est les choses qui marchent bien. Les choses qui marchent moins bien, c'est la médecine génomique avec les maladies plurigéniques ou chroniques, parce que la prévision est complètement foireuse. Vous avez effectivement identifié tout un tas de mutations qui pourraient avoir une influence sur la pathologie, qui pourraient être la pathologie. C'est pas pour ça que vous êtes capable de prédire l'occurrence de pathologie, parce que la pénétrance est de quelques pourcents seulement. Donc le risque n'est pas si élevé que ça. Donc, fiabilité douteuse, voilà, parce que nous sommes en situation de très grande complexité du vivant et les capacités prédictives sont inexistantes. Donc, vous avez un article là, de Patron et al. Qui a repris toutes les analyses de Geroz, qui est une méta-analyse de toutes les analyses génétiques, donc, qui fait le lien entre les mutations et les pathologies, et qui voit que là, finalement, il n'y a rien de prédictif dans ces analyses. On dit qu'un certains gènes, certaines mutations peuvent avoir une influence, mais ça ne sert absolument pas à pouvoir correctement une maladie. Si vous envoyez votre génome à je ne sais plus qui aux États-Unis pour avoir près de vos risques de risques cardiaques ou autres, vous remplissez la base de données, vous aidez à constituer la base de données, mais en retour, vous avez une information qui risque de vous faire flipper, mais qui n'est pas très fiable sur les maladies chroniques, qui n'est même pas fiable du tout. En rajoutant en plus que la bibliographie est biaisée sur le sujet. Parce qu'on ne peut publier finalement que des choses qui montrent qu'on a montré quelque chose qui marchait. Et quand on a un résultat négatif, on ne le publie pas. Ce qui fait qu'il y a toutes les analyses négatives qui ont été faites, ne sont pas publiées et il risque d'y avoir beaucoup. Donc voilà le problème. Et ça, c'est une analyse négative qui a été publiée, qui a été de montrer qu'il n'existe pas de gène de l'homosexualité. C'est assez particulier aussi. Alors, en conclusion, j'espère que je n'ai pas été trop long. Hop. Si. Donc, je vais finir par la conclusion. Il faut insister lourdement sur l'importance des données. Et ces données, donc, confidentialité, contrôlées par la CNIL en France, contrôlées par d'autres processus dans d'autres pays. Et insister sur la représentativité des données, contrôlées par la Haute Autorité de Santé et la FDA aux États-Unis. Donc, il serait important de réglementer un peu plus sur la communication des risques d'erreur. Donc, ça, c'est le rôle aussi de ces organismes. Et d'évaluer, d'être capable d'évaluer le bénéfice attendu de la recherche et pas simplement par la bibliométrie espérée. Donc, là, il y a des choses qui marchent. Mais en fait, ces choses qui marchent, c'est des modèles statistiques classiques. Donc, on fait des cohortes épidémiologiques, on fait des modèles de durée de vie.
On est capable de détecter des maladies monogéniques, ça c'est encore un test, un simple test du KI2, ou encore des modèles de Cox lorsqu'on travaille sur la durée de vie. Mais en ce qui concerne les algorithmes d'apprentissage automatique, donc il y a des choses qui vont aider au diagnostic, là on peut penser que ça va marcher bien, mais là où je voudrais insister, qu'il y a une forme d'antinomie finalement entre vouloir faire de l'apprentissage automatique pour faire de la médecine prédictive personnalisée, alors que nous sommes tous unis. Et là, ça marche plus. Donc, il faut soit trouver d'autres algorithmes et oublier de faire les choses comme ça. Donc, il ne faut pas ouvrir les données pour ce genre d'application. Ça marche, ça ne peut pas marcher du point de vue de la complexité du vide. C'est là où je sors de mon rôle d'expert pour devenir simplement le citoyen contribuable des patients, futurs patients. Je dis protéger nos données. Parce que lorsqu'on voit ce qui se passe en Angleterre, au Royaume-Uni, où il y a quand même des fuites de données assez redoutables entre la NHS et le DeepMind, qui est donc une filiale de Google, dont Google Inc. a récupéré la partie DeepMind Inc. récemment, donc vous voyez qu'il y a une sorte de collusion. On peut y rajouter aussi qu'une autre filiale d'Alphabet, sœur de Google, qui est Calico, qui est spécialisée dans l'étude de la durée de vie. Donc là, vous avez un article où on essaye de chercher les variants génétiques responsables de la durée de vie. Donc, vous en trouvez une grosse quinzaine. C'est pas avec ça que vous allez faire la prévision de la durée de vie, c'est évident. Et récemment encore, donc Google, une autre sœur de Google, qui est Verily, qui est donc une filiale d'Alphabet, qui a conclu des accords avec les grandes entreprises pharmaceutiques pour monter des essais cliniques. Vous voyez, il y a une grosse machinerie qui se met en marche en Californie. Et avec nos petits moyens, ce serait bien d'y résister en protégeant nos données. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse d'être venu. D'avoir un peu de temps. Vous avez la vidéo aussi qui va avec. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Vraiment, vraiment intéressant. En tout cas, ça démystifie beaucoup de choses, cette présentation-là. Et pendant que j'ai